Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la journée et donc ce sera pour vous montrer désolé, ça me gratte l'œil. J'ai une poussière dans l'œil. Enfin bref, pour présenter ma boîte de pinceaux. Voilà. Donc moi, elle est comme ça. Donc désolé pour la luminosité, mais c'est le soir. Donc avec sa poignée rétractable brune, elle est toute rose, donc sa poignée rétractable est brune, et puis ça aussi c'est brun. Il y a une petite caisse d'un cheval qui passe à travers un cercle. Voilà, donc à l'intérieur c'est comme ça. Donc il y a un grand compartiment gris avec une poignée verte. Voilà. Avec une poignée ici. Et puis je vous montrerai l'intérieur une fois que je vous présenter ce qu'il y a ici. Donc on va commencer. Donc dans ce petit compartiment gris. Voilà. Alors. Elle est évidente. Un cuir-pied. Normalement, c'est un cuir sabot. Je sais pas pourquoi il y a pas de cuir. Donc, il est sale. Hein. Je suis vraiment désolée. Alors, vous n'allez pas voir qu'il est sale parce que il y a une humidité qui n'est pas très bonne. Elle est vraiment pourrie. Donc, voilà, un cuir-pied basique avec une brosse. J'ai une étrie finlandaise. Donc c'est un tout petit peu petite, mais ça va. Moi, si je la mets comme ça, ça me va. Donc voilà, comme ça, vous verrez mieux. Ah, donc j'ai mis au dernier cran. Voilà, une étrie finlandaise. Ensuite, j'ai une brosse douce. Donc ça, c'est l'ancienne. Mais elle est vraiment trop petite pour moi. Ah, donc ça, bien sûr, c'est pour nettoyer les sabots. Ça c'est pour brosser la crinière, la queue, le corps. Voilà. Donc on a la brosse douce, on peut brosser partout avec la brosse douce. Voilà. Un peu trop petit. Ah, je suis très dedans. Ouf. Pouf. Ouais. Donc elle est sale parce que j'ai déjà utilisé. J'ai un peigne que on peut utiliser pour faire des notes, mais moi généralement je fais pas de notes, donc voilà. Donc ça c'est une autre image, donc c'est ma préférée. Hein. Ah, mon peigne. Voilà. Donc elle est vraiment molle. Elle est très 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 molle, donc je sais pas si c'est ma brosse préférée, donc voilà, donc c'est sale au fond, hein, parce que il y a eu des brosses, donc voilà. J'ai un au fond. Si vous allez rien voir, voilà. Ah c'est bien, hein, c'est ça. Donc il est sale aussi, mais voilà. Et donc j'ai ma nouvelle brosse douce. Voilà, donc elle est bleue ici et noire ici, donc jamais utilisée encore. C'est bizarre parce que normalement ça devrait pas être une brosse douce parce que c'est pas doux du tout. Alors comparé à celle-là, elle est vraiment plus douce, donc j'ai évité de toucher parce que il y a plein de poils de chevaux partout. Donc voilà. Donc c'est un tout petit peu ça, pas trop mais un peu. Donc voilà. Je vais ranger vite fait. Hein. Voilà. Ensuite, l'intérieur qui se ressemble comme ça, donc c'est vraiment présent. Ici, c'est pas pour contenir un pinceau, mais pour contenir la cravache. Quand elle est ouverte, quand elle brosse, c'est ça, on peut mettre une cravache ici.
voilà, et je crois que ça se retire, voilà, ça se retire. Voilà, après on peut bien sûr la remettre. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc après on peut mettre trois dans... Non, on peut mettre que dans celui-là comme ça. Ah oui, on peut mettre dans les autres coins. Mais... Voilà. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dans l'intérieur de tout d'abord. J'ai mes gants, j'ai ma paire de gants. Plein de poils. Moi je ne les mets pas, mais on sait jamais, ça peut servir. Voilà. Ce que vous aurez pu voir dans les deux vidéos. Présentation de ma boîte de passage, etc. Donc j'en ai deux, hein, c'est demain. J'en ai pas une, j'en ai deux. J'ai mon épingle que j'ai mis là-dedans parce que des fois, quand par exemple elle sera humide, bah, c'est mieux de la mettre dans un sachet vide. Donc, je vais montrer les grands sachets vides. Hein. Voilà. J'ai donc le bouchon. Donc, ça, donc cette brosse. Je fais peut-être une explication de à quoi sert toutes les brosses. Donc, voilà. Donc cette brosse qui s'appelle le Crimol, la brosse molle, enfin, moi je sais, j'ai plus le nom, enfin bref, et ben c'est pour brosser en rond comme ça sur toute la partie du cheval, enfin pas toute, mais enfin comment dire, sur le, je sais plus, le garrot et en dessous hein, sur le ventre. Donc voilà. Après les autres, hein, je ne sais pas si je vais pas. Ça va être très bien. C'est quoi ça? Ça va être sur un truc. C'est la folle de voilà. J'ai un couteau de chaleur. Donc, qui était dans la boîte. C'est en fait quand le cheval. C'est quand c'est l'été, en fait, la sueur. Quand il suit, bah, ça va enlever toute la sueur comme ça. Vous faites ça sur toute sa partie, j'ai jamais testé. Parce que bah, c'est pas encore l'été, du coup, bah, il ne suit pas. Voilà. Et puis bah, enfin, bah, j'ai mon licol hein, que vous aurez pu voir dans toutes mes vidéos. Pratiquement. Hein. Dans les deux que j'ai mis avant. Donc voilà. Donc il était vendu avec sa manche, jamais utilisé, voilà, avec au montant, donc le montant c'est là ce qui se passe derrière la taille, et à la mitre, donc ce qui se passe sur le nez, donc voilà, donc avec sa manche comme ça, donc voilà, sa manche, ouais, je suis allée mal, en bref, donc elle est brune et rose, et puis voilà, c'est brun. Et voilà. Donc, bah, c'était pour cette vidéo. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.